Ce soir, je tiens à souligner l'état d'esprit des joueuses qui se sont malgré tout battues défensivement, parce qu'avant tout, on n'encaisse que 50 points, donc ça, c'est pas mal. Même s'il y a encore des petites imperfections, on est toujours friand un peu de ça, mais voilà, ce soir, on a fait le boulot, on renoue avec la victoire enfin. Surtout, ben, rester dans ce top 4 qui est important, synonyme de play-off, et qui plus est, pouvoir avoir l'avantage du terrain, hein, sur le premier match. Ce soir, j'ai envie de dire, chaque joueuse a fait les efforts nécessaires parce que c'est pas évident. Il y a des joueuses qui ont un peu souffert des blessures, notamment Aminata cette semaine, Bérangère aussi, Delicia, Fabienne ont son problème aussi. Donc voilà, ce soir, c'est vraiment une victoire collective. Bah, j'étais déjà revenue pour les matchs amicaux. Bon, c'était des matchs amicaux, donc voilà quoi. Oh, ça fait du bien parce qu'on voit les supporters, l'ambiance de la salle, franchement, ça, c'est le meilleur, la vérité. Bon, on n'avait pas nos supporters, du coup, voilà, mais sinon, ça fait du bien de revenir ici. On fait beaucoup de pertes de balles, on fait des erreurs offensives et défensives, et voilà quoi, c'était dur. On va se rattraper, bon, on va se rattraper, on va essayer de faire mieux contre Chartres la semaine prochaine, on va essayer de gagner, mais on verra bien. Ça va être dur, hein, parce qu'il y a deux joueuses, deux grosses joueuses, Clark et Mandy, il faudra les tenir, les plus grosses joueuses, donc voilà. Après l'écart, je pense qu'il est sévère de 12 points, parce que je ne pense pas qu'il y avait cet écart-là en fin de match. C'est que mes joueuses, je pense, ont lâché un petit peu, parce que voilà, à force de revenir et jamais réussir à tuer le match, et bien fait que voilà, en ce moment, on a un vrai problème sur ça, où on a du mal à tuer le match quand il faudrait le tuer, et à chaque fois, ben, on laisse l'adversaire nous ben, revenir et de gagner le match. On a la même chose contre le Noir la semaine dernière. L'objectif du COF, c'était de jouer les playoffs. Après, si on pouvait finir dans les 4, c'était pas plus mal. Mais voilà, maintenant, je pense que la quatrième place, ça va être encore un peu compliqué, parce que là, Arras vient égalité avec nous, mais nous, on a encore un championnat compliqué. On reçoit Chartres, on va à La Roche, donc les deux premiers du championnat, alors que Arras va jouer pratiquement toutes les équipes du bas de tableau. On fait un programme depuis le début de l'année, en fait. On travaille par rapport qu'au play-off, pas par rapport. On travaille match après match, mais on essaie de préparer les joueuses par rapport à ça et de retenir les leçons des matchs qu'on vit là. Mais il va falloir qu'on monte notre niveau d'intensité et de concentration sur les play-offs pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait ici. Donc si on a perdu là et que ça nous sert pour les play-offs, tant mieux.